machine. Get on up, get up, get on up. L'eau, l'air, la vie. Approche cocotte, tu es mon style. Ménastil, je cuis, je bourre, car tu me fais tout. Ménastil, ménastil, ménastil. Ça chauffe petite, ça c'est ton poil. Ménastil, tout est dans le style. Gagner. Gagner des téléphones sans fil répondeur dédicace proposés par Matra en jouant avec Multipoint. Jouer futé. Jouer avec la carte en répondant de chez vous aux questions des émissions interactives de France 2 et France 3. Partout. Aujourd'hui, la carte Multipoint est en vente partout avec une cassette VHS de 2 heures et ses jeux interactifs. Voici un homme qui ne connaît pas encore les nouveaux Varilux. Eh ben loupé. Oh! Qu'est-ce que vous me conseillez? Ah ben je vois rien. Ah ben elle est partie. Pour Essilor, il est inacceptable de laisser la presbytie gâcher vos meilleurs moments. Papa! Alors Essilor a créé les nouveaux Varilux. Les verres pour tout voir très confortablement de zéro à l'infini. Nouveau Varilux d'Essilor. Si vous n'aimez pas quand ça crache, quand ça se répète, quand ça hurle, quand ça tape sur le système, vous aimez la même chose que nous. Vous aimez la musique. Joyeux Noël. France 2 vous présente le patinage artistique avec Sif et De Dietrich. Rendez-vous samedi. Championnat du monde professionnel de patinage artistique à Landover, USA. Après les Jeux d'Albertville, de belles revanches en perspective. Un plateau exceptionnel de rois et de reines de la glace. Paul et Isabelle Duchesnay face à Marina Klimova et Sergei Ponomarenko. Christy Yamaguchi, Midori Ito et Petr Barna. Les virtuoses de la patinoire sont tous au rendez-vous. Championnat du monde professionnel de patinage artistique, samedi à 22h25 sur France 2. Ces sensations douloureuses vous gênent et vous rendent irritable. Votre estomac souffre. Aidez votre estomac. Deux comprimés de Reni suffisent. Reni est un médicament. Reni soulage vos maux d'estomac rapidement. Téléphone sans fil répondeur dédicace proposé par Matra en jouant avec Multipoint. Jouer futé. Jouer avec la carte en répondant de chez vous aux questions des émissions interactives de France 2 et France 3. Partout. Aujourd'hui, la carte Multipoint est en vente partout avec une cassette VHS de 2 heures et ses jeux interactifs. Comment ça va, fiston? Tu vas bien? Bravo, t'es le meilleur. Je vas mine. Si je vas bien, si je vas mine. Qui va nous trouver, le Père Noël? Je pense que oui. L'AX est la voiture de ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Voici un homme qui ne connaît pas encore les nouveaux Varilux. Eh ben loupé. Oh! Qu'est-ce que vous me conseillez?
Ah ben, je vois rien. Ah ben, elle est partie. Pour Essilor, il est inacceptable de laisser la presbytie gâcher vos meilleurs moments. Papa! Alors Essilor a créé les nouveaux Varilux, les verres pour tout voir très confortablement de zéro à l'infini. Nouveau Varilux d'Essilor. Si vous aimez les rappels, les applaudissements, les refrains repris en chœur par la foule, vous aimez la même chose que nous. Vous aimez la musique. Joyeux Noël. Rendez-vous lundi. Recherche une gentille femme pour partager la vie d'un veuf et ses deux jeunes enfants. Oh, papa. Une petite annonce pour une nouvelle vie. Si je ne pars pas tout de suite, je ne saurai jamais si je peux mener ma vie. Tu lui as dit de venir, on n'a pas besoin de gens ici. Tu crois qu'elle nous aimera ? Sarah ne savait pas que dans les plaines du Kansas l'attendait le plus précieux des trésors, l'amour. La nouvelle vie de Sarah avec Glenn Close et Christopher Walken, lundi à 20h50 sur France 2. Nuit de Noël où nous allons rejoindre au bord du périphérique à Paris, à la porte de Châtillon, le grand chapiteau du Cirque National à l'ancienne, Alexis Grus. Nous allons nous associer à cette célébration de la liturgie de la Nativité du Christ avec les artistes du cirque et tous ceux qui y vivent et y travaillent, mais aussi avec tous ceux qui ont voulu participer à cette fête et pour lesquels, cette nuit, pas tout à fait comme les autres, les portes sont grandes ouvertes. Et il en est ainsi depuis 14 ans. Pour Alexis Grus, Noël, c'est un esprit particulier, une redécouverte de la fête et de l'émerveillement. Et il se plaît à raconter que lorsqu'il était enfant, son père et son oncle l'emmenaient dans les écuries après la représentation en lui affirmant que c'était le seul soir où les chevaux parlaient. Mais effectivement, les chevaux finissaient par parler pour les enfants tapis dans l'ombre. En 1994, le cirque Grus fêtera ses 20 ans. Le temps a bien tourné depuis, mais l'intuition de départ, née de la complicité de la famille Grus et de Sylvia Montfort, est toujours là. Faire de ce cirque à l'ancienne un cirque de création. Chaque année, tout en perpétuant l'esprit du cirque de tradition, Grus propose un spectacle original. Ce sont plus de 300 numéros qui ont été conçus et mis en scène par l'école du Carré, la première école du cirque créée par Alexis Grus en 1974. Et il faut croire que le public ne s'y trompe pas. Le cirque Grus accueille près de 15 000 spectateurs en 5 représentations chaque semaine sous le grand chapiteau de 30 000 places. Mais l'un des secrets de ce cirque, c'est un savoir-faire familial. 3 générations font vibrer le public. Et André Grus, le père d'Alexis, ne serait pas peu fier d'avoir transmis à son petit-fils Armand les gènes de l'art clownesque. Grus, Bouglione, Riggenbach, 3 noms fameux liés par différents mariages et qui se sont transmis les valeurs de persévérance, de courage, de travail et de respect du public. Noms prestigieux auxquels sont associés des artistes invités comme ici le couple russe Maria et Yuri Barzikin, jonglers sur ballon. Gypsy, Isabelle, Gabriel, Maude, Stéphane, Eddy, Armand, Firmin, Alexis et les autres. Une famille pas seulement unie dans un métier, mais dans un mode de vie, une passion, partageant peines et difficultés qui les amène à invoquer Dieu peut-être plus souvent que d'autres, comme le dit Alexis Grus, ne serait-ce qu'à chaque fois qu'un trapéziste tente un saut périlleux ou à cause de la nature fragile et temporaire des installations dès qu'il y a un coup de tempête. Au cirque, il y a ceux que l'on voit et ceux que l'on ne voit pas, mais dont le travail est indispensable pour la cohésion de l'ensemble. La musique, la lumière, la machinerie, la technique, l'accueil du public, et bien sûr tout ce qui relève du soin et de l'éducation des partenaires qui font une part de la notoriété de ce cirque, les chevaux. Tous, artistes et machinistes, hôtesses et musiciens, se réunissent ce soir pour célébrer la nativité du Christ avec tous ceux que la nuit aura conduits sous ce chapiteau. Avec vous, nos amis de France, mais aussi de Belgique, de Suisse, du Danemark et de la Bulgarie. Déjà une veillée sur le thème des nomades que nous retransmettrons demain à 12h30 nous a préparé à cette messe de minuit, présidée par le père Jean de Bruyne, animée par Gaëtan de Courrèges et les artistes du Cirque Grus,
et à laquelle s'associera l'abbé Pierre dans un message à la fin de la messe. C'est toute la famille Grus qui arrive pour nous introduire à cette messe. Par ce simple signe de la précarité, de la fragilité de la vie nomade, cette roulotte nous fait rejoindre tous ces gens du voyage avec lesquels la famille Grus ressent une profonde parenté. Abraham, Moïse ou Marie et Joseph arrivant à Bethléem. Je vous dis bonjour et non pas bonne nuit. Cette nuit, Jésus vient au monde. Cette année, Jésus a choisi ce chapiteau comme lieu de la naissance. Parce que le chapiteau, c'est la tente des nomades. Le chapiteau, c'est la maison des gens du voyage. Cette nuit, c'est Noël. Nous sommes tous des gens du voyage. Dieu ne s'arrête jamais. Dieu ne s'installe jamais, il est toujours en route. Et même cette nuit, Jésus se fait chemin. Cette nuit, Dieu est un immigré au cœur de l'homme. Cette nuit, Dieu fait un voyage d'amoureux. Cette nuit, grâce à la télévision, l'Europe entière a place dans ce chapiteau. Jésus vient au monde entier. Vous êtes là, au coude à coude. Cette nuit, au moins, nous pouvons être fraternels.
je vous dis la paix. Cette nuit, la paix, c'est le nom même de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, il est temps de vous mettre le cœur en voyage. Il est minuit, réveillez-vous, Dieu est déjà là. Pourquoi froisser le blé dont l'épi a mûri? Pourquoi souffler le feu où le pain a vécu? Pourquoi se dérober quand la fête est servie? Pardonne-nous, Seigneur, nous enfantons. Pourquoi couper le bois, la branche avait fleuri? Pourquoi tourner le dos à l'enfant qui sourit? Pourquoi clouer en croix celui qui donne vie? Pardonne. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. C'est Jean-Pierre Darras, sociétaire de la Comédie-Française, qui va nous proclamer le texte du Gloire à Dieu. Vive Dieu, vive Dieu. Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Fils et le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Par la nuit et la lumière, vive Dieu, car il est Dieu. Vive Dieu, vive Dieu.
rassemblons la prière. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de la joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de la nuit, la lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent comme on se réjouit en faisant la moisson. Ils exultent comme lorsqu'on l'on partage les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il porte l'insigne du pouvoir sur son épaule. On l'appelle merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi, le pouvoir s'étendra. La paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur Dieu de l'univers. Pendant que Gypsy Grus va jongler avec des torches sur cette boule, c'est l'acteur Patrick Préjean qui va nous dire le psaume de méditation. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Thank you.
annonce une grande nouvelle. Aujourd'hui, nous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle du Christ Jésus selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Thank you.
C'est le père Joseph Marty, prêtre du diocèse de Perpignan, qui nous prononce à présent l'homélie. Noël, c'est la fête la plus chargée de tendresse, et pourtant, c'est la plus douloureuse. Les jours heureux enfuient en deuil les 12 coups de minuit. C'est l'heure où la cheminée, le fauteuil ou le lit deviennent cruellement vides. Mais c'est aussi la fête où l'enfant qui dort en chacun de nous voudrait bien se réveiller. Avec vous, Jean du cirque, voyageur et baladin du rire, il est plus facile de laisser la voie libre à l'enfant que nous sommes. Votre présence dilate notre joie. Gypsy et Alexis Grus, merci de nous accueillir pour vos 20 ans de spectacle en cette fête de la venue de Jésus, Dieu fait homme. Dieu a planté sa tente parmi nous, écrit Saint Jean, et la crèche est hors de Bethléem, comme votre chapiteau, souvent dressé à la porte des villes. Tente de migrants, de pèlerins, au regard étoilé et aux pieds dansants, cercle magique qui rassemble nos misères et nos espérances, et qui ce soir devient arche d'alliance, tabernacle abritant le don de Dieu. Dieu qui se fait chair, cadeau vivant, enveloppé des beautés de l'univers. Du plus haut des cieux, aux profondeurs et aux enfers du monde, tout chante la joie et la paix. Les étoiles, la grotte et le foin, les moutons, les chiens, les chevaux et les tigres, les bergers et les rois, les enfants et les anciens, hommes et femmes mis en mouvement, émus, remués par la parole faite chair, Jésus. Peut-être êtes-vous berger, ange ou mage, qui venez enchanter nos vies et nous conduire sur la piste où la parole peut prendre corps. Car l'enfant Dieu entre en scène, la scène de l'histoire. Il vient dompter les fauves de la peur et les monstres de la haine, les démons de nos vies. Il ouvre la mer pour qu'on puisse y passer, et les tombeaux qu'il transforme en berceaux. Il lance la grande marche des gens libérés, vous tous, appelés à traverser la mort, à partager le pain, à manger son corps. Il offre un don unique, le don toujours redonné de la vie, le pardon qui fait vivre. Désormais, toute personne, toute famille, tout groupe est invité à être berceau de Dieu. Dieu veut naître en chacun de nous pour y enfanter la joie. En Jésus, Dieu est à ras de terre, à fleur de peau,
en cœur et corps humain. C'est le salut. Vous tous, artisans de la scène et des coulisses, artistes de la vie, vous avez compris des choses essentielles que vous nous rappelez par une pirouette ou un clin d'œil, comme vous, les Grusses, et tous vos frères et sœurs de l'art du cirque. Merci à vous. Vous voyagez sur les terres intérieures du désir de vivre et d'aimer, là où l'on peut rencontrer Dieu incognito, à l'improviste, par surprise. Vous voyagez au-dedans de vous, là où nous nous retrouvons, là où nous sommes tous frères et fils du même Père. Vous nous dévoilez aussi en la face méprisée de l'homme et de l'homme Dieu, un peu du mystère de sa sainte face. Cette nuit, sur la sciure et le sable de notre monde, toujours arène sanglante,